D'anciens récits, chantés par les ménestrels turaliens, disent qu'il existe des sommets que jamais les mers ne sauraient engloutir. Massives, fières et implacables, les montagnes éternelles d'Urkopacha se dressaient devant nous dans toute leur splendeur. Aucune créature vivante n'aurait osé déranger cette majesté tranquille, hormis Valigarmanda, le légendaire Tural Vidral. Cette calamité incarnée, ayant été autrefois emprisonnée par l'Orarque et ses compagnons, quel exploit restait-il à accomplir pour ses héritiers? Nous voici arrivés à Urkopacha. C'est la première fois que je visite cette partie du continent. L'air est particulièrement pur. C'est vivifiant. C'est montagne après montagne ici. Effectivement. Celle-ci est particulièrement imposante. Elle me rappelle le pic sacré de Somal. Nous l'appelons Warkor's Ormor. Elle domine tout le Yoctural. Mais ce n'est pas uniquement sa hauteur qui décourage les voyageurs de s'en approcher. Vraiment? Tu piques ma curiosité. Eh bien, cette montagne est... Pincez-moi, je rêve. Mais oui, c'est bien la princesse Uklamat. Que faites-vous ici? Je me présente, Bolnok, humble et simple tisseur, de passage dans la région. À votre service. Ravi de faire ta connaissance, Bolnok. Pour tout te dire, nous nous rendons au village des Pelou-Pelou. Le hasard fait bien les choses, j'en reviens justement. Cela fait plusieurs années que les Pelou-Pelou me vendent leur laine d'alpaga, mais jamais je n'avais eu l'occasion de visiter leur ferme d'élevage. J'ai donc sauté sur l'occasion. Le propriétaire m'a même invité à boire du mezcal local avec lui. J'ai réussi à lui soutirer quelques-uns de ses secrets pour fabriquer une laine de qualité supérieure. C'est quoi le mezcal? Un alcool typique d'Urkopacha. Il est obtenu par distillation des cœurs d'agave. Malheureusement, je m'en suis un peu trop gavé, et dans mon début d'ivresse, j'ai signé pour une commande trois fois supérieure à l'année dernière. Enfin, ils m'ont fait un prix d'amis, donc on va dire que c'était une bonne affaire. Mais c'est que je deviens un vrai moulin à parole, ma foi. Je vous laisse. Bon voyage à tous! J'allais oublier. Bonne chance pour le rite de succession. Je partage votre amour de la paix, princesse Uklamat. Ces Pelou-Pelou m'ont tout l'air d'être des commerçants redoutables. Ils sont pour ainsi dire partout. Les Pelou-Pelou gèrent tous les marchés du Tuli-Yolal, et leurs alpagas leur permettent de couvrir le moindre recoin du continent. Ils sont particulièrement loquaces et avenants. Nombreux sont les promeneurs devenus acheteurs malgré eux, piégés par leur belle rhétorique. Ah, les pièges, ça me connaît. Je suis pas née de la dernière pluie. Watchun Pelo se trouve en bas de la route principale. Ne va pas te perdre en prenant le mauvais chemin à l'intersection. Oui, merci, papa.